de Camaret se disent toutes vierges. Les filles de Camaret se disent toutes vierges. Mais quand elles sont dans mon lit, elles préfèrent bien mieux mon vie qu'un cierge. Qu'un cierge, qu'un cierge. Nous sommes les moines de Saint-Bernardin. Nous nous couchons tard et nous levons matin. Et nous levons matin. Le prieur nous engueule, mais nous nous en foutons. Voilà qu'est bon, qu'est bon, qu'est bon. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font. Et voilà la vie, la vie, la vie, la vie chérie. Et voilà la vie que tous les moines font. Trois orfèvres à la Saint-Éloi, ça n'a l'air dîner chez un autre orfèvre. Trois orfèvres à la Saint-Éloi, ça n'a l'air dîner chez un bon bourgeois. Ils ont baisé le père, la fille, la mère au nichon, le fils au cul, la fille au con. Relevez belle votre blanc jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit les fesses. Relevez belle votre blanc jupon, qu'on vous voit le cul, qu'on vous voit le con. Père du Panlou dans l'utérus. Père du Panlou dans l'utérus. Était déjà rempli d'astuces. Était déjà rempli d'astuces. Du fond du ventre de sa mère, il taillait des plumes à son père. Ah, ah, ah oui vraiment, Père du Panlou est dégoûtant. Faut-il avoir du poil au cul? Nous avons en cette rencontre pesé le pour, pesé le contre, et rien encore n'est résolu. Mais à la vie que je crois sage, qui je l'avoue m'a convaincu, c'est qu'il vaut mieux pour son usage un cul sans poil qu'un poil sans cul. C'est qu'il vaut mieux pour son usage un cul sans poil qu'un poil sans cul. Papa m'envoie guérir 100 sous de mortadelle, en pochant la monnaie, moi je file au bordel. Où vas-tu mon garçon, de cette allure fougueuse, me lance grand-maman, je vais courir la gueuse. Il est inconvenant de fréquenter les putes, tu m'en donnes la moitié, juste et tu me culbutes. Quoique j'atteigne hélas un âge canonique, à bien des jeunes aux pieux, je fais encore la nuque. À qui veut raquer un prix dérisoire, je propose au client du boulot bien fait. Il verra bien que je me fous pas de sa poire, car les bonnes manières sont dans le forfait. C'est pour 40 sous, la main dans la poche, sous l'œil du poulet, qui en prend la moitié. Que j'astique le dard du type le plus moche, jusqu'à ce que le vénard lâche sa purée. Je suis une pute au grand cœur, et je me suis faite bonne sœur.